Il arrive à pleine balle. Mais pourquoi il veut m'arrêter moi? Il faut arrêter le tsunami. Il y a une urgence plus grave, monsieur l'agent. Oh, mais c'est un ouf. Mais c'est un ouf. Mais c'est un malade. Aujourd'hui, je vais devoir tenter de survivre au tsunami versus la police, versus le trafic, versus les voitures jeunes permis. C'est une dinguerie là le concept. Il y a du trafic, il y a la police et il y a le tsunami qui va arriver. Ça va être le bordel monstre. Ok, c'est parti, je suis avec la Peugeot 206. Le tsunami arrive à pleine balle. Mais ça, je vais me faire fumer en 30 secondes là en fait. Par contre, faut accélérer les gars parce que en fait, on va tous mourir. Je crois que vous vous rendez pas compte. Hein. Ils ont bouché l'accès. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux à boucher l'accès là? Il y avait deux voitures. Ok, je prends le stop. Je prends pas le stop, moi je prends le sens interdit. Je suis un rebelle de la société, mon gars, avec la Peugeot 206. Bah, c'est comme ça qu'ils roulent les gens en Peugeot 206, non? Ils respectent rien, je crois. Hein. Et y a pas, pour l'instant, je vois pas de tsunami parce que j'ai roulé. Mon gars, je t'ai fait des esquives de zinzin là. Inarrêtable, mec. J'ai failli me bouffer deux fois une voiture de police. Ok, drift. Ouah. Bonjour, monsieur l'agent, ça va? Mais monsieur l'agent! Il y a monsieur l'agent, il veut m'arrêter déjà, monsieur l'agent. Et il y a le tsunami là, et il va venir nous bouffer, et au lieu de m'arrêter, je crois, c'est surtout que vous devriez arrêter le tsunami, monsieur. Mon gars, tu sais quoi, j'ai une 206, j'ai one life, je suis en roue libre. J'ai une 206, je suis sûr que je peux faire ça en vrai, là. Ouah, purée, mon gars, ça passe. Oh, le tsunami a déjà englouté toute la ville. J'aurais pas dû passer par là, je suis un idiot. Et mais si ça pouvait passer la deuxième, ce serait pas mal. Mon gars, les flics, ils sont trop chauds. Monsieur, vous êtes pas sympa, monsieur l'agent. Et j'ai tout le comico derrière moi là. Je suis devenu un vrai pilote hein, sur BeamNG, c'est un truc de dingue. Hein. Un vrai pilote, mon gars. Comment je t'esquive ça, regarde ça dans les petites impasses. Y'a les flics qui sont juste derrière au fait. Hein. Il arrive à pleine balle. Mais pourquoi il veut m'arrêter moi? Il faut arrêter le tsunami. Y'a une urgence plus grave, monsieur l'agent. Oh, mais c'est un ouf. Mais c'est un ouf. Mais c'est un malade. C'est... Mais vous êtes malade, monsieur l'agent. Oh. Mon gars, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Il a cassé ma Peugeot dans le fossé! Mais c'est quoi ça? Ils sont défoncés! Ils se sont défoncés! C'est bon, je vais mourir. Ils ont cassé ma direction. C'est ma direction. Pardon. La Peugeot 206 est cassée. Et le tsunami nous a engloutis. Merci, monsieur l'agent. Il y avait des priorités plus importantes que m'arrêter, moi, en fait. Allez, next véhicule. La Fiat 500 de coiffeur. Ça, c'est rapide et furieux, mon gars. Alors, ça va vraiment pas très, très vite. La police, je te dis, ils vont me voir rouler comme un dingue, comme ça. Ils vont tout de suite m'arrêter. Hein. Mais c'est trop bien comme caisse. Dans ce genre de ville, tu peux visquer tout, regarde. Hop là, je passe devant là, l'agent. Mais attends, mais c'est incroyable comment c'est stable. C'est incroyable. Bon, maintenant que j'ai la police aux trousses parce que je suis en train de rouler comme un demeuré. Effectivement, ça va être un petit peu moins stable. Qu'est-ce qu'il fait dans le gazon, lui, là? Mais je suis trop rapide, mon gars. Hop là, t'as vu comment je passe? Hop là, ça c'est vraiment une voiture que j'aurais dû acheter quand j'étais plus jeune. Welcome back, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et le tsunami aussi, là, il est en train de bouffer les bâtiments, mais... Tout va bien, ok? Tout va bien. Hop, drift. J'ai grillé le stop. Oula, il y a monsieur l'agent qui arrive. L'agent n'est pas content. Monsieur l'agent, il m'a vu arriver. Il a fait, oula, lui, il va passer un sale quart d'heure. Mais non, monsieur l'agent, c'est moi le pilote, le professionnel. Professional, pilote. Professional. Get the professional. Déjà, j'ai réussi à semer la police, mon gars. Je vais tellement vite. Ils ont eu tellement peur, mon gars. Mais la Fiat 500, en fait, c'est validé. C'est vraiment validé versus la police. Hein. Professional, get the drift. Professional boy. Bon bah j'ai plus de pare-choc. C'est pas grave, le rapport poids-puissance il est meilleur maintenant. Par contre j'ai crevé mon pneu arrière droit. Oh la trou de balle. Oh le trou de balle, je vais... Mais c'est pas par là, c'est la descente. Ça descend là, il y a le tsunami là-bas. Je me suis trompé de sens. Je vais mourir par là. En fait je suis débile. Il arrive super vite. Ok monsieur si vous voulez, bah y'a pas de soucis. Si vous voulez mourir allez-y hein. C'est le bon endroit pour mourir. C'est vraiment par là. Bah si la police veut y aller y'a aucun souci hein. Franchement allez-y hein. Moi, je suis un vaillant. Mon pneu a éclaté. Mon pneu a éclaté. C'est une blague? Mais non, mais c'est une grosse blague! Non, surtout pas! Allez, allez, allez! Non, vas-y! Allez! Purée, je vais vraiment me faire buter! Attends, j'ai glissé! Non! Non, je peux pas mourir comme ça! Non! Oh mon gars, c'est un truc de malade ce qui se passe sur votre écran! Regardez ça! Non, mais je fais pas exprès, hein. Je vous le dis vraiment, je fais pas exprès pour le watch time ou quoi, là, c'est vraiment une situation de dingue! Purée, j'ai réussi à le semer! Ah, par contre, ça va être trop tendu là-bas, ça passera pas. Ça passera pas. Ça passera pas. Ça passera, ça passera. Ça passe! Ça passe! Non! Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, mon gars. Mais attendez, vous avez vu ce qui vient de se passer sur votre écran là ou. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? Oui, vous l'avez bien vu du coup là. J'ai noyé le moteur. Ça, c'est joué à ça, purée. En fait, mon pneu, il a éclaté. Je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai perdu le contrôle et je suis parti dans le fossé. C'est à Sanderos, type ouais, get, mon. Y'a vraiment rien qui va dans cette ville, hein.
Mais y a rien qui va dans cette ville, regardez ça. Même dans ma présentation, je me fais déranger en fait. Allez, c'est parti, go! Mais monsieur! Monsieur, j'étais en train de passer là! Oh mon gars, le Stipouet, comment il est vénère! Regarde comment il est vénère! Moi je te dis, le Stipouet, c'est un 4x4, je peux tout faire avec un 4x4. Avec le 4x4, je te ferai des points de corde avec le 4x4. Des points de corde, 4x4. Hop là! Personne n'a vu venir ça! Mais c'est quoi ce qui se passe sur votre écran là? Mais. Oh, j'ai failli crever un pneu. Mais moi, je suis inarrêtable. Oh, regardez ce que je fais, monsieur l'agent, avec mon gros SUV 4x4. Là. Oh, mon Stipouet, mon gars, il aime ça. Hein. Oh, t'aimes ça, hein, toi, hein. T'aimes ça, hein, grosse cochonne. Hein, le 4x4, hein. Ok, concentration, là, j'ai cassé mon pare-brise. Mais tout va bien, le Stipouet marche encore. Ah, ça, c'est redoutable comme véhicule, hein. C'est français, ça. À tout moment, le moteur explose. Mais comment, c'est incroyable, ce véhicule. Je roule vraiment n'importe comment, hein. Mais je suis devenu tellement fort. Regarde, je suis même plus la route. Je fais du off-road. Je suis un mec qui fait du off-road, ok? C'est les mecs qui font du rally, ça. Ça, c'est quand t'es arrivé à la perfection, mon gars. On peut rouler à des vitesses incroyablement élevées sans avoir peur de faire un accident. Professional. Regarde, je prends des raccourcis. Personne ne voit venir. Ça, c'est mon Stipouet, mon gars. Là, vraiment, pour le coup, je suis allé plus loin. Regardez. Ah, ciao, bye bye, le tsunami. La police est à votre poursuite. Ok. Ça marche, mec. Ok, mec. Ouais, monsieur, mais vous faites quoi, monsieur, là? Ça va, monsieur, je vous dérange pas, tranquille. Je vous remercie, monsieur. Hop, off-road. Il y avait un bouchon. Et en fait, c'est surtout qu'il y avait un barrage de police. Non, j'aurais peut-être pas dû. Mais si, le Stipouet, il passe. Oh, mais il est incroyable, ce véhicule. Attends, je vois une entrée, là. Et c'est quoi, ce véhicule de fou? Purée, ça passe. Par contre, il y a la police. Il y a la police derrière. Et get, mon coffre, il est ouvert. C'est parce que je fais du trafic NT. Je voulais vous montrer la tronche de ce type. Ouais, bon là il ressemble encore plus à rien maintenant que j'ai foncé dans le gros 4x4. Monsieur l'agent. Non mais vous étiez obligé d'attendre que je passe pour me foncer dedans là. Allez, au revoir monsieur l'agent. Monsieur l'agent, ça suffit. Il a cassé sa roue, le golemon. C'est un truc de ouf parce que j'arrive encore à le contrôler. Un petit peu difficile à contrôler, le Stipouet, là, parce qu'il a vraiment pris des coups de partout. Mais ça marche. Et j'ai fait aucun accident terrible. Mais même ça, regarde, ça n'arrête pas le Stipouet, d'accord? C'est pas le retourner boulé là que j'ai fait qui... Ah bah d'ailleurs j'ai fermé mon coffre, maintenant c'est parfait. Bon bah écoutez, je crois que je suis allé plus loin avec le Stipouet que n'importe quel autre véhicule. Mais je crois bien que là... Non, ça marche encore! Je suis choqué! Oh, je suis choqué! Non mais je croyais que c'était la fin! Premier degré, je croyais que c'était fini! Mais pas du tout! Mais le Stipouet, il est incroyable! Incroyable, le Stipouet! Non mais c'est quoi ce véhicule de fou? Il a mis un coup de portière au flic, il a rien dit. Ah non, alors là, c'est bloqué. Hein. Ah, c'est terminé, mon gars, c'est terminé. Ah, c'est terminé. Le Stipouet, il a quand même tout donné. Je veux dire, on y était presque. Ouah, franchement, on y était presque. Non, on n'y était pas du tout presque, mais c'est pas grave. C'était pas mal avec le Stipouet. La Renault Clio. Alors, je me dis, le Stipouet est passé. Y a moyen que la Clio, ça passe, en fait. C'est parti, let's go, mon gars. Let's go, la Clio. Ah, la Clio, c'est un véhicule de zinzin, ça. C'est quoi, ce véhicule de fou? Ok, raccourci, mon gars. Get le raccourci de zinzin que je te prends là. Oh là là, alors ça mon gars, c'est le raccourci de zinzin de l'espace. Personne n'a vu venir ça. Personne n'a vu venir. Mais comment je suis trop rapide? Alors là, je crois que j'ai atteint ce point plus rapidement que les autres fois, j'ai failli me bouffer. On est parti les enfants, on part en vacances. Pendant que tout le monde fonce vers le petit village en bas parce qu'ils pensent que c'est le meilleur endroit et qu'il y a la plage. En réalité, il y a un tsunami. Nous, on part en vacances. Ne faites pas attention au bâtiment là-bas, c'est la piscine all inclusive. All inclusive la piscine. Elle monte à ton étage sur ton balcon. N'est pas un tsunami, bien sûr que non. Le drift. Oh là 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 là, Vous êtes prêts pour le point de corde? C'est quoi là ici? C'est la course. C'est les 500 nocturnes. Mais comment ça va vite? Mais c'est dingue, je me suis tellement amélioré en fait sur ce jeu. Avant je roulais comme une quiche, maintenant je les contrôle tous, les voitures, c'est un truc de malade. Regarde ça, comment je vais tellement vite? Par contre c'est stable. Hein. La Clio elle est stable. Hein. Hop là, monsieur, on évite de faire ça quand je passe par contre, hein. J'ai la priorité sur tous les axes. Ok, c'est normal qu'il y a 3 voitures de police, là. Eh ben, c'est normal qu'ils veulent me chasser maintenant. Tiens, c'est très drôle. Ouais, on se tape des barres, la police, hein. C'est vachement drôle, hein. Vous pouvez rester derrière moi, ça me va, en fait. Manger ma roue arrière, c'est très bien. Je vais tellement vite. Waouh! J'ai failli me bouffer. Ma roue. Je suis un gros abruti fini. Ça marche encore, mais c'est... Non! J'ai cassé le train!
bon, j'ai cassé le train avant, voilà, j'ai cassé le train avant, je suis un abruti. Voilà, bah super. J'ai cassé la Clio, non! J'avais mis tout mon espoir dans cette voiture! J'étais sûr que ça marcherait! Bon, n'hésitez pas à me dire quel type de concept je pourrais faire sur BeamNG ou sur un autre jeu. Et donnez-moi des noms de jeux, de voitures là, qu'on peut faire, là, des trucs que vous aimez bien en rapport avec BeamNG. Comme ça, on peut tester des trucs nouveaux aussi, là, ça peut être sympa, là! Et puis, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à la liker si ça t'a plu, à la partager avec tes amis. Et puis, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!